Me voici donc au col de la Colombière, internationalement connu grâce au Tour de France. Ne pas confondre avec le col de la Vieille Rombière, très fréquenté par les papis célibataires. Et là, ben, je vais me diriger par là-haut, c'est la pointe du Jalouvre. Et ensuite, je vais essayer d'enfiler la pointe blanche. Et on verra après. Juste à gauche du restaurant. C'est parti. 100 mètres après, direction Jalouvre. Encore au-dessus, ne pas monter vers la falaise. Il y a un bon chemin qui monte là. Suivre tout droit le petit sentier qui grimpe vers la combe sous le Jalouvre. Le sentier est évident jusque dans la combe du rasoir. Alors attention, il y a un petit chemin qui se dirige vers la falaise parce que apparemment il y a un passage avec des cordes ou des chaînes. Mais c'est pas par là. Donc continuez vers le col du rasoir. Le sentier est relativement bien marqué au centre de la combe. On arrive presque sous les dalles, jusqu'à traverser les poulies, et là aussi la traversée est évidente. Ne pas attendre d'arriver au rocher pour traverser. Juste après la goulotte, passez à droite, on aperçoit le sentier juste un peu plus haut sur la droite. Ça traverse de mini ravines et c'est dangereux. Ensuite, ça monte en travers vers la gauche. Nettement la vire. La vire en elle-même n'est pas difficile. Me voici donc sur le fil du rasoir. Ça l'ouvre. Et la pointe blanche. Alors d'ici, on aperçoit déjà les traces rouges de l'itinéraire. La traversée du rasoir a été aérienne mais facile. Juste faire attention aux rafales de vent aujourd'hui. Ensuite, le sentier passe sous le Jalouvre côté Senise sur une longue vire. On arrive alors côté Lessie. Et c'est de là que le sentier monte vers le sommet. Au bout d'un moment, ne cherchez plus le sentier, ça grimpe plus ou moins direct dans la rocaille. Alors, sans difficulté, toutefois réservé aux montagnards confirmés. Ne pas tirer trop à gauche, rejoindre à droite la crête qui donne sur le caillon. C'est évident, jusqu'à la croix de Jean-Charles,
l'arête sommitale et le cairn du sommet. Alors attention, par endroits c'est très patiné, donc à éviter quand c'est mouillé. Me voici maintenant dans l'ascension de la Pointe Blanche. Attention, c'est dangereux! Il faut bien suivre les marques rouges. Passage rocheux délicat, hein, faut pas tomber là. Attention, c'est de l'escalade, hein. C'est quasiment des passages de trois là. Non protégés. Ensuite, c'est plus facile. Donc ça passe un peu en travers, un peu plus haut. Il faut rejoindre la croupe herbeuse, qui est beaucoup plus confortable pour grimper. Plus haut, on traverse en direction de la petite combe rocheuse. C'est toujours fléché en rouge. Sur une jolie dalle bien inclinée. Méfiance, ça peut glisser. Bah, c'est pas très dur. Au moment où on rejoint l'arête, ça part carrément à droite. Bien suivre les flèches rouges. En fin de compte, à part le premier passage qui est plutôt ardu, on va dire, et puis réservé aux alpinistes. Après, c'est plus facile et on arrive assez vite au sommet. C'est très joli comme voie. Bien, maintenant que j'ai passé le sommet, il va falloir trouver le fameux passage Pélier. Alors là, ça va être plus compliqué. La descente promet d'être très amusante. Les bouquetins qui surveillent le col de la Colombière, juste en dessous. Ne pas descendre tout droit dans les boulis, qui a l'air facile. Le flashage part sur la gauche.
On passe une croupe un peu chaotique. Jusque vers ce petit passage. Et nous voilà en vue du lac de Peyre. Donc je pense que je suis au début du passage Pélier. Pour l'instant, c'est pas très délicat, mais faut faire attention de ne pas glisser. Bon, ce sont de grosses marches d'escalier assez faciles à descendre. Faut être prudent quand même. Ici encore plus, parce que c'est de l'éboulis sur de la roche qui glisse. Il va falloir que j'aille déranger un bouquetin là-dessous. Celui, il s'en fout. Et on arrive au passage où il y a des cordes ou des câbles. C'est vrai que là au-dessus, il vaut mieux être très prudent. C'est impressionnant. Bon là, me voilà au câble. J'espère que c'est bon tout le long. Hein. Alors techniquement, c'est pas très difficile. C'est impressionnant, faut pas trop regarder en bas. Le câble et la corde ensuite sont bienvenus, mais attention, c'est une corde. Et là, ça commence déjà à bien s'user. Je vais voir si je peux réparer, mais je suis pas sûr. Me voici à la fameuse croix d'Alexis Pélier. Alors ce passage s'appelle passage Alexis Pélier, mais aussi le Golu à Boué, qui est un diminutif de Pélier, semble-t-il. Alors, contrairement à ce qui est écrit dans certains topos, le passage Pélier n'est pas du tout sécurisé tout le long. Et on peut même dire qu'il n'est pas sécurisé du tout. Il y a juste un bout de câble entouré de tuyaux d'arrosage. Et la corde est vraiment en mauvais état. Elle va bientôt lâcher. Alors, je n'ai pas pu la réparer. Heureusement, il y a deux autres brins qui la tiennent encore. Mais il ne faut pas s'y fier. Et il vaut mieux venir avec sa propre corde. Donc plus bas, plus de corde, plus d'assurage. Il y a une petite vire et ensuite on va arriver en dessous dans les boulis. Après la vire, on descend un peu les boulis, puis on peut le passer en travers. Alors attention, parce qu'en dessous, il y a des barres. Et on traverse une petite arête pour se retrouver directement dans les boulis qui va nous mener au col là-haut. Petit passage, et ben on suit le sommet de l'éboulis, à un moment où ça regrimpe très raide, pour arriver au col. Toujours le lac de Peyre en dessous, c'est joli comme endroit là. Il paraît que c'est bourré de touristes à l'occasion, quand il fait beau. Là, du col de Balafras, je vais me diriger vers la pointe de Balafras, qui est un sommet intermédiaire. Et je vais voir si je peux faire la pointe du Midi.
Pour suivre la traversée de l'arête de Balafras jusqu'à Cogner contre les rochers de la pointe du Midi. Ensuite, ça descend le long des rochers dans un petit éboulis. Le sentier qui suit la falaise nous amène directement au passage qui doit nous amener vers le sommet. C'est facile! Et ça poursuit vers le haut. Il y a un vent aujourd'hui, c'est la folie. Petit pas rocheux, mais pas vraiment difficile, hein. C'est pas compliqué. Et on arrive au sommet. Et voici la pointe du Midi. Et ben, de la pointe blanche, ça fait quand même une bonne trotte, on va dire. En face, c'est le Bargy. Là, je vais essayer de descendre dans la combe sauvage si ça passe, et ensuite je redescendrai dans une autre combe. De la Tournette jusqu'aux Aravis, le spectacle est époustouflant. Dommage qu'il fasse pas plus beau, hein. Le Mont Blanc, lui, est dans les nuages. Me voici de nouveau à ce que je vais appeler le col des Cailloux, vu qu'il n'y a que ça par ici. Et je vais essayer de descendre dans la combe sauvage par la cheminée qui est là. On verra bien si ça passe. Attention, il y a un gros trou en dessous. Ça bouquetine dans la neige en dessous là-bas. Bon, la descente n'est pas très difficile pour l'instant. Il faut choisir un peu ses passages, hein. Attention, c'est des cailloux qui roulent quand même, donc bon, on peut se faire mal. Et ensuite, je vais essayer de passer à travers le Pierrier pour rejoindre le petit sentier qu'on voit en bas et qui longe toute la combe. Fabuleux ce petit couloir en éboulis là, je me suis fait très plaisir. Bon, vaut mieux avoir des godasses bien rigides. Bon, par contre, à la montée, ça doit être une sacrée galère, hein. C'est pas dangereux, mais ça doit être physique. Allez, il n'y a plus qu'à traverser le gros chaos rocheux là pour retrouver le petit sentier. Ici, les plantes s'accrochent vraiment où elles peuvent, hein. Elle est jolie celle-ci. Bon, ça passe très bien dans ce gros éboulis gigantesque. D'ailleurs, même les bouquetins y passent. Ouais, il y en a 4 quand même. Il y en a peut-être d'autres qui se cachent parce que là, pour les trouver là-dedans. Bon, vais-je descendre? Vais-je pas descendre? Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Hein? Bah, bon, ben moi je vais poursuivre quand même, hein. Une fois arrivé vers les croupes herbeuses au milieu de l'éboulis là, ben, il faut descendre le long des croupes herbeuses et traverser ensuite jusqu'au sentier. La combe sauvage est vraiment magnifique et sauvage. Le super éboulis de tout à l'heure. Ensuite, j'ai traversé pour rejoindre la croupe herbeuse là.
jusqu'à un bout de sentier qui arrive ici et qui rejoint le sentier qui monte au col de Montarquie. Voilà, le col de Montarquie est passé. En face, si j'ai bien saisi, c'est la tour. Et derrière, tout en haut, ça doit être le Grand Bargy. Ce sera pour une autre fois. Là, je vais descendre en direction de la grotte de Montarquie. Et ensuite, je vais regagner le col de la Colombière pour la combe de Montarquie. Un beau troupeau de bouquetins mâles en dessous. Et voici la grotte, qui est un gigantesque trou très moche. Et juste en dessous, il y a des bouquetins, ils sont pas loin là, une vingtaine de mètres. Je vais peut-être passer tout près d'eux si ça se trouve. Salut toi, ça brouette. Qu'est-ce qu'ils racontent les boubouques là? Ça broute tranquille le soir là. Alors là, je suis à 10 mètres de Monsieur Bellecorne. Il est chouette celui-là. En général, les vieux mâles, on les dérange pas trop. Alors là, il y en a, ils sont au milieu du chemin, alors je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont se pousser comme d'habitude, mais j'aime pas les déranger. Ah, il y a un petit houx là, il est mignon lui. Quatre beaux messieurs dans la force de l'âge. Ça bagarre là-bas. Jeune, c'est normal. Ils sont joueurs ce soir.
Cette combe est un plaisir à descendre. Un bon sentier, j'ai même pu courir un peu. C'est confortable, ça me change de tout le reste de la journée. Les ruines de Montargis et le chemin qui part vers la Colombière. Le chemin qui remonte vers le col de la Colombière est vraiment tranquille aussi. C'est agréable à suivre. Et nous voici au chalet de la Colombière, avec un joli toit en tavaillon. Voilà, le chemin va bientôt arriver au col. Et voilà, retour au col. Et ben, c'était une magnifique course de montagne, on ne peut pas appeler ça une randonnée. C'est très acrobatique, il y a des passages dangereux où tout le monde ne peut pas passer, donc à réserver aux alpinistes expérimentés.